Je t'en pense. Héroïque. Je te paye un verre. Oh, non, merci. Ils ne servent que de la pisse d'âne ici. Ils me l'héritent. C'était ton idée ou celle de Siri? Celle de Siri. C'est bien ce que je pensais. Tu as bien fait de l'accompagner. Je pensais que tu serais en colère. En colère? Pourquoi? Parce que tu as soutenu Siri dans sa décision? Parce que tu as combattu à ses côtés et gagné? Et si j'avais perdu? Si tu avais perdu, nous n'aurions pas cette conversation. Et toutes les femmes du continent seraient folles de chagrin. Tu as gagné. À partir de là, inutile de tergiverser. J'ai déjà vu Triss. Elle n'est pas franchement optimiste. Il ne fait pas bon être magicienne par les temps qui courent. Rares sont celles qui osent mettre le nez dehors. Et je les comprends. Charmant cet endroit. Que fais-tu ici? Tu le sauras bien assez tôt. En attendant, parle-moi de Philippa. Triss et moi, nous l'avons trouvée et libérée. C'est Dijkstra qui la retenait. Et la situation est de nouveau sous contrôle. Tu m'envoies rassurée. Bien. Tu m'expliques ce que tu fais ici? J'ai découvert où était Margarita. Elle est retenue captive à la prison d'Oxenfurt. Je dois rencontrer un homme qui s'en est évadé. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Que sais-tu de cet homme? Je sais qu'il est le seul à s'être échappé de Deirehad et qu'il est recherché par tous les gardes de la ville. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? On sera bientôt fixé. Il vient d'arriver. Abbé Faria? Qui êtes-vous? Nous voudrions vous parler. Merde! Oh, tu ferais mieux de le rattraper.